L'ancien président yéménite Ali Abdullah Saleh est mort durant le conflit entre le gouvernement et le groupe rebelle houthiste. Son neveu Darek Saleh aurait aussi été tué. Selon une annonce du parti du président Saleh, Darek servait comme commandement militaire. Il est mort de ses blessures lundi à l'hôpital. Les supporters de Saleh ont promis de venger la mort de leur leader et de continuer à se battre contre les routistes. Le conflit s'est déclaré il y a une semaine quand les loyalistes ont empêché les routistes d'entrer dans une mosquée. Il s'est intensifié quand Saleh a déclaré la guerre aux rebelles samedi. Le comité international de la Croix-Rouge dit que jusqu'à maintenant, 234 personnes ont été tuées et 400 blessées.